Processo di creazione del carattere di Mauro è stato un processo abbastanza teatrale come lavoro. Quindi il lavoro è stato fatto io e l'autore Daniele, e lui proponeva delle situazioni e io le sviluppavo improvvisando, scrivendo, fissando i momenti giusti, i momenti meno azzeccati. E quindi è stato un processo di scambio, innanzitutto su un'idea generale del carattere del personaggio. Cioè il personaggio aveva questa idea di vivere tra la realtà e il sogno, e portando anche molte cose della storia personale mia. Ci sono situazioni dello spettacolo che sono storie legate alla mia infanzia, alla mia giovinezza, e chiaramente poi portati in maniera teatrale, clownesca. C'est le metteur en scène Daniele Finzi-Pasca qui m'a appelé pour me dire: ah, on est en train de penser à remplacer Mauro. Et je me suis dit: bah, il se trompe, parce que je suis beaucoup plus jeune que ça. Et il m'a fait réaliser qu'en fait j'étais plus âgé que quand Mauro avait commencé. Donc j'étais rendu à ce moment-là dans ma vie. J'ai eu 5 semaines de formation au cirque et ça a été 5 semaines bien remplies. Typiquement, mes semaines, c'était assez régulier comme horaire. En fait, souvent on faisait 2 heures le matin de jeu avec Michou. Après, j'avais souvent musique avec Nemo et chorégraphie, chant avec Hélène. C'est un personnage caractère qui est en interaction avec tout le monde. Et là, comme je suis le seul à répéter ici au studio, ça a été de commencer à mémoriser ma part, mais la part de tout le monde aussi, parce qu'il fallait que je sache à quel moment sur la musique arrivait une personne, à quel moment arrivait l'autre. Et j'ai eu l'aide miraculeuse de Michou pour essayer de mettre tout ça en place. Après, on a eu des nouveaux défis complets, c'était de jouer de la trompette et du sousaphone. J'avais jamais soufflé dans ces embouchures et ça a été avec Nemo de décortiquer comment placer l'embouche, trouver le souffle, trouver la juste pression sur les lèvres. Donc la trompette était peut-être pour moi le plus challengeant, mais ça a été aussi le plus gratifiant parce qu'on sent les progrès qui arrivent chaque jour. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On m'a fait voler. Et ça, voler, je suis pas un fan des hauteurs, moi. On est allé vraiment étape par étape et ils ont été super patients avec moi. Je découvre, j'apprivoise et ça va de mieux en mieux et je commence à l'oublier et à avoir de plus en plus de plaisir. Et finalement, quand on a commencé à mettre le jeu dans l'exercice plus technique de juste monter, tout s'est calmé. Si c'était juste monter comme ça, comme un poids libre, ça me stressait beaucoup. Mais quand on a commencé à jouer, ça a fait comme ok, ça va, ça va. Et puis après, il y a des choses qui se rajoutent. Il faut faire le maquillage, il faut aller vérifier les costumes. Il y a tous différents paramètres à faire, mais ça fait des bonnes journées. Donc là, c'est la dernière semaine. Il me reste 3 jours. Ça y est, je sais où ils sont, tous mes futurs partenaires sur scène. Maintenant, j'ai envie de les voir et j'ai envie de commencer à jouer avec eux réellement.